إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. « Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها et qui a créé de celui-ci son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang إن الله كان عليكم رقيبا certes Allah vous observe parfaitement يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ô vous qui croyez craignez Allah et parlez avec droiture يصلح لكم أعمالكم afin qu'il améliore vos actions ويغفر لكم ذنوبكم et qu'il vous pardonne vos péchés ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre 16e rencontre parmi les rencontres de notre noble série مراحل الدار الآخرة étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes parlé lors de notre dernier discours de la première cause parmi les causes du châtiment de la tombe, à savoir Al-Kadhib, le mensonge. Ce châtiment de la tombe dont nous avions certes évoqué les preuves évidentes et claires provenant du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunnah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des preuves évidentes et claires, justifiant son arrivée et prouvant son existence véridique. Ce châtiment de la tombe, qui possède ainsi des causes évoquées et rappelées dans une série de hadiths du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Et nous avions tiré certes la première cause lors du dernier discours d'un de ces hadiths. Ces causes ont été évoquées dans plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Et parmi ces hadiths, nous avions rappelé le hadith selon Samurah ibn Jundub radiallahu anhu. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre, le livre des funérailles Kitab al-Janaiz, et dans le livre de la description Kitab al-Ta'bir, et dans lequel nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et nous continuâmes.
jusqu'à ce que nous arrivâmes près d'un homme étendu sur sa nuque et un autre debout, tenant une pierre ou un rocher immense et avec lequel il fracassait la tête de celui qui était étendu. Et après que le rocher soit tombé, il partait alors le ramasser. Et lorsqu'il revenait, il retrouvait alors la tête de la personne redevenue telle qu'elle. Et il recommençait à la fracasser, et ainsi de suite. Et je leur demandais étonné, « Ya subhanallah, qu'est-ce que cela ?» Et alors les deux hommes me dirent, « Intaliq, intaliq, poursuis ton chemin, poursuis ton chemin. » Jusqu'à la fin du hadith, lorsqu'ils annoncèrent l'interprétation de ce qu'il vit, ils dirent au prophète alayhi salatu wassalam à propos de la personne étendue sur sa nuque, telle est la personne qui apprenait le Coran, mais le négligeait et qui dormait au moment des prières obligatoires. Naam, telle est la personne qui lisait le Coran, qui récitait le Coran mais qui ne l'appliquait pas, et qui dormait au moment des prières obligatoires. Comment a-t-il été châtié? Et quel a été son châtiment? Un ange s'est levé parmi les anges d'Allah, et dans ses mains un rocher immense, ou une grande pierre, avec laquelle il écrase sa tête. Et à chaque fois que sa tête est écrasée, Allah ordonne que sa tête redevienne comme elle l'était, pendant que l'ange va chercher la pierre pour la relancer à nouveau. Et lorsqu'ils lui informèrent à propos de cet homme, ils lui dirent, il lit le Coran mais ne l'applique pas, et il dort pendant les prières obligatoires. Alors telles sont deux autres causes parmi les causes du châtiment de la tombe, et sur lesquelles nous parlerons avec précision aujourd'hui, bi-idhnillahi azza wa jal. La première cause, il apprend le Coran mais ne l'applique pas. C'est un homme à qui Allah Jalla wa Ala a accordé comme bienfait l'apprentissage du Coran entier, mais il le refuse et il ne l'applique pas. Et il refuse et n'accepte pas les lois juridiques d'Allah Azza wa Jal. Et il ne se contente avec ce Coran que de le réciter ou que d'embellir sa voix. Mais lorsqu'on l'appelle à juger avec le Coran ou à appliquer le Coran, il s'éloigne et il refuse. Et Allah nous dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. Et celui qui se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. C'est-à-dire qu'il subira le châtiment de la tombe dans le fait de se faire écraser sa tête par des rochers. Naam, cette tête qui se rebelle contre le livre d'Allah, cette tête qui refuse les versets d'Allah Jalla wa Ala, cette tête qui rejette les lois juridiques d'Allah Jalla Jalalu, cette tête se fera écraser dans sa tombe. Et cette tête se fera fracasser dans sa tombe, du fait qu'elle se soit rebellée, et du fait qu'elle ait refusé le livre d'Allah, et du fait qu'elle ait renvoyé les lois juridiques d'Allah. Et certes que ces gens sont nombreux de nos jours. Certes que ces gens sont nombreux aujourd'hui, ayyuhal ahbab. De nos jours, tu t'adresses à lui en lui disant, Allah a dit cela et cela, et il te répond, oui mais moi aussi je dis cela et cela. De nos jours, tu viens vers lui et tu lui dis, Allah t'ordonne de faire cela et cela, et il te dit, mais ceci est quelque chose d'impossible. On est dans une époque moderne et de technologie, on est au 21e siècle, arrêtez vos balivernes. De nos jours, tu viens lui dire, Allah t'interdit ceci et cela, et il te dit, ah ouah, ceci est impossible, on ne peut pas délaisser cette chose, l'économie est basée dessus, pour les intérêts par exemple. Toutes ces personnes refusent et rejettent et renvoient le livre d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit à propos d'eux, dans son livre sacré, Al-Qur'an Al-Karim, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. Et ils disent, nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Et ce ne sont point ceux-là les croyants. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? أَمْ يَرْتَابُوا. Ou bien doutent-ils? أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ou bien craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La seule parole des croyants lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est: nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Telle est la personne qui apprend le Coran, mais qui ne l'applique pas. Alors, يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ. Ô vous qui avez appris le Coran, la responsabilité est plus grande sur vous que sur les autres. Et vous devez être digne de prendre le Coran en juge envers vous-même, et en juge envers vos épouses, envers vos enfants et envers vos proches. Ya ahl al-Qur'an, ô vous qui avez appris le Coran, sachez que le but de l'apprentissage du Coran et son objectif est son application, est sa considération, est sa transcription en une ligne de conduite pour votre vie. Ya ahl al-Qur'an, ô vous qui avez appris le Coran, méfiez-vous d'abandonner son application. Méfiez-vous de ne pas faire de l'apprentissage du Coran une ostentation, ni un embellissement des voies. Car beaucoup de gens apprennent le Coran et apprennent beaucoup du livre d'Allah, mais cependant ils ne prennent pas en considération, et ils ne prennent en considération que les lettres, sans accorder d'importance aux lois juridiques, ni aux obligations, ni aux interdictions qu'ils comportent. De ces versets, il est parmi les récitateurs, mais de ces lois juridiques, il est parmi ceux qui s'éloignent, et de son application, il est de ceux qui fuient, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Celui qui n'applique pas le Coran, mais également celui qui polémique et qui discute sur les versets d'Allah, quel est son châtiment, quelle est sa récompense, cette tête qui s'est rebellée et qui s'est enorgueillie se fera écraser dans sa tombe, et se fera fracasser dans sa tombe par des rochers, wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Quant à la deuxième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, comme nous ont dit Jibril wa Mikaïl alayhi ma salawatullahi wa salam, et il dort pendant les prières obligatoires, et il dort pendant les prières prescrites. Le sommeil, ayyuha al-ahbab, le sommeil lui est plus aimé et lui est plus préféré pour lui que la prière à son heure. Le sommeil lui est plus aimé que la prière accomplie à son heure. Et il dort pendant les prières obligatoires. Et il en fait pour cela une habitude. Et alors il n'accomplit presque jamais sa prière à l'heure. Et lorsqu'on lui dit « As-salatu khayrun min an-nawm », la prière est mieux que le sommeil, il répond par son état, et par ses paroles, et par ses actions, non, mais le sommeil est meilleur que la prière. Ibad Allah, serviteur d'Allah, sachez que s'il y a beaucoup de musulmans dans ce pays, sachez que s'il y a beaucoup de musulmans véridiques dans ce pays, rêvant d'entendre l'adhan au moment des cinq prières obligatoires, et également dans d'autres pays parmi les pays non musulmans, eh bien sachez, wallah, et nous vous certifions que certains se prétendant appartenir à l'islam dans beaucoup de pays musulmans sont dérangés par l'écoute de l'adhan, sont dérangés par l'écoute de l'appel à la prière, et ils ne veulent pas entendre l'adhan, et tout particulièrement lors de la prière du Sobh et lors de la prière de l'Isha. Pourquoi? Car ils détestent l'adhan, car l'adhan de la prière de l'Fajr les empêche de dormir, et à cause de celui-ci, ils ne trouvent pas le sommeil. L'adhan de la prière de l'Fajr les dérange, et les stresse, et les réveille,
pendant leur nuit, et jusqu'à un point où certains parmi eux vont aller voir l'État ou bien la mosquée, même pour se plaindre et pour exiger de baisser le volume des haut-parleurs, car l'adhan les dérange, les stresse et les réveille. Mais sachez, ayyuha al-ahbab, sachez, ayyuha al-ikhwa, que personne n'est dérangé par l'appel à la prière. Personne n'est dérangé par l'appel à la prière, excepté al-shaytan. Personne n'est dérangé par l'adhan, sauf al-shaytan. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: certes, al-shaytan, lorsqu'il entend l'appel à la prière, il pète afin de ne pas entendre l'adhan. Puis, lorsque l'appel à la prière cesse, il revient afin d'insuffler de mauvaises pensées aux serviteurs. Et dans certains hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam a de même dit: lorsque Shaytan entend l'appel à la prière, il s'enfuit. Ces gens ainsi sont dérangés par l'adhan de la prière de l'Fajr. Et ce qui est surprenant, ayyuha al-ahbab, est qu'ils ne sont pas dérangés par les voix des chanteurs et des chanteuses, et par les voix de ces pervers qui braillent pendant toute la nuit, durant les nuits de mariage et de fête. Ils ne sont guère dérangés par le braillement des ânes durant les longues nuits de l'été. Mais par contre, l'appel vers le paradis, l'appel vers la miséricorde, l'appel vers la réussite, les dérange. Et ceci, ayyuha al-ahbab, n'est qu'une preuve de leur hypocrisie, et n'est qu'une preuve du dégoût qu'ils ont de cette religion, et n'est qu'une preuve que leurs cœurs sont remplis de haine envers l'islam et les musulmans. Et nous demandons ainsi à Allah Jalla wa Ala qu'ils remplissent leur tombe de cendres de l'enfer, comme leur cœur était rempli de haine. Et certes, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Le fait de dormir au moment de la prière obligatoire, ayyuha al-ikhwa, est devenu une habitude chez beaucoup de musulmans. Et nous disons cela sans exagération. Regardez quel est le nombre de musulmans qui assistent à la prière du Jumu'ah, à la prière du vendredi, ou bien durant la prière de l'Idayn, des deux fêtes de l'Id, ou bien durant la prière du Tarawih. Quel est le nombre de musulmans pendant ces prières, et quel est le nombre de musulmans pendant la prière de l'Fajr et de l'Isha? Il n'y a pas de comparaison, un nombre très insuffisant, et cela à cause de leur sommeil pendant la prière, et cela du fait qu'ils apprécient le sommeil par rapport au droit qu'il nous incombe envers notre Créateur Jalla wa Ala. Cette tête qui prend plaisir à ce sommeil et qui a la paresse d'accomplir la prière, cette tête qui s'alourdissait à l'heure de la prière, sera certes écrasée dans sa tombe, et sera certes fracassée dans sa tombe, si elle en a pris une habitude de dormir pendant la prière. Mais par contre, il peut certes nous arriver de dormir au moment de la prière, car nous ne sommes pas des anges, et ceci est certes arrivé déjà à la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi qu'à ses compagnons radiallahu anhum. Telle est la personne qui rejetait le Coran et qui dormait pendant les prières obligatoires. Il appréciait ainsi plus le sommeil que la prière, et il prenait plaisir à dormir, mais sa tête s'alourdissait et sa tête devenait pesante afin d'accomplir les obligations d'Allah, et c'est pour cela qu'elle sera châtiée dans sa tombe. Ainsi, le châtiment sera sur la partie la plus noble du corps, à savoir la tête. La partie la plus noble du corps, et pourquoi? Car certes, le serviteur a rejeté la plus noble des choses qui est le Coran, et également car il s'est endormi au moment de la plus noble des adorations qui est la prière. Et c'est pourquoi il sera châtié sur sa partie la plus noble du corps qui est la tête. Et ainsi, al-jaza'u min jinsil amal, la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Et ce châtiment n'est pas destiné aux mécréants. Bien au contraire, il est destiné aux musulmans qui ont négligé la prière d'Allah. Et le fait d'avoir la fainéantise de faire la prière a été considéré par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les signes des hypocrites.
comme il a été rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr. Et s'il connaissait le bien de ces prières, il s'y rendrait même en se traînant sur le sol. Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de l'Isha et la prière del Fajr. Et s'il savait le bien de ces prières, il s'y rendrait même en se traînant sur le sol. S'il savait, ces hypocrites, la récompense qu'il y avait de se rendre à la prière del Fajr et à la prière de l'Isha, il s'y rendrait à quatre pattes et en rampant. Certes, la prière la plus pénible pour les hypocrites est ainsi la prière de l'Isha et la prière du Fajr. Et les hypocrites leur sont pénibles ces deux prières. Pourquoi cela? Car afin d'accomplir les deux prières, le serviteur a besoin d'une foi ferme et sincère pour qu'il puisse les accomplir. Naam, la prière du matin a été établie à un moment où le soleil est lourd et pesant, difficile à surmonter, et donc le fait de se lever devient très dur, et cela nécessite une foi complète et sincère. Quant à la prière de l'Isha, elle a été établie à une période de la nuit, un moment où les gens aiment veiller, bavarder et discuter pendant toute la nuit avec la famille et les invités. Et c'est pour cette raison que la prière de l'Isha est également pénible pour les hypocrites. Et les hypocrites sont des gens de ténèbres. Ils ont obscurci leur foi. Les hypocrites sont ceux qui ont obscurci leur visage ainsi que leur tombe, qui se renfermera sur eux d'un châtiment et d'un supplice terrible. Et le jour dernier, les gens parmi les hypocrites, dont les visages seront obscurcis, demanderont aux gens lumineux parmi les croyants de leur donner un peu de lumière. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans Sourate al-Hadid. Allah nous dit: وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Il sera dit: revenez en arrière et cherchez de la lumière. فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Et c'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contiendra la miséricorde et dont la face apparente devant elle le châtiment de l'enfer. Leur foi était achevée dans ce bas monde. Elle était complète et accomplie du fait d'avoir préservé leur prière. Et alors leur lumière le jour du jugement sera complète par Allah Jalla wa Ala. Al-jazaa'u min jinsi al-amal. La récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et par l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentifiée par Shaykh al-Albani, selon Buraydat al-Aslami radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: annonce une bonne nouvelle à ceux qui marchent vers la mosquée dans l'obscurité de la nuit, qu'ils auront une lumière parfaite et accomplie le jour du jugement. Alors quel est le nombre de musulmans lors de la prière de l'Fajr et lors de la prière de l'Isha par rapport à ceux qui dorment pendant ces heures-ci? Et wallah, cela est très grave, car la différence est importante et conséquente, au point où on ne peut même pas faire de différence et de comparaison. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit: lorsqu'il y avait quelqu'un parmi nous qui ne venait pas une seule fois à la prière de l'Fajr ou bien à la prière de l'Isha, nous pensions du mal de lui. Alors qu'Allah nous pardonne, ayyuha l'ikhwa, les compagnons radiallahu anhum, lorsqu'il y avait parmi eux quelqu'un qui s'absentait une fois à la prière de l'Fajr ou bien à la prière de l'Isha, ils pensaient mal de lui. C'est-à-dire qu'ils le mettaient dans la liste des hypocrites. Pourquoi? Car les compagnons, radiallahu anhum, ne s'absentaient jamais lors de ces deux prières, sauf pour une raison très grave. De même, l'imam Muslim rapporte, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhum, celui-ci a dit: et nous ne voyons que nul ne peut s'absenter à cette prière, sauf un hypocrite dont l'hypocrisie était connue. Et quelquefois même, il y avait des malades
qui venait en se tenant et en s'appuyant entre deux personnes afin qu'il soit rentré dans le rang. Allahul Musta'an. Beaucoup de gens se lèvent pour la prière d'El Fajr les jours de la semaine et les jours de travail. Mais lorsque c'est le week-end, ils ne se lèvent pas. Pourquoi ? Car il n'y a pas de travail. Et car le travail pour lui est plus important qu'Allah Jalla wa Ala. Et ainsi, il a peur de son patron plus que de son Seigneur. Et donc il se réveille la semaine. Mais il ne se réveille pas pour Allah. Mais il ne se réveille pas pour la prière. Mais il se réveille pour son travail et pour son argent. Et comme ils disent, pour la nourriture et pour les enfants. Ayyuha al-Muslimoun. Oh vous les musulmans, nous vous faisons le rappel. Pour moi ainsi que pour vous. Afin de préserver ces deux prières. Surtout ces jours-ci où la dernière prière est de plus en plus tardive. Et où les nuits sont courtes et le sommeil est court également. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous confirme afin d'accomplir ces deux prières à l'heure. Ainsi que les autres prières. Car celui qui prie la prière d'El Fajr à l'heure, Allah lui ouvre les portes des subsistances. Et Allah lui donne de la vivacité, du tonus et de la bonne humeur. Dont sera privé certes celui qui s'endort au moment de la prière. C'est pour cela que l'imam Muslim rapporte. Selon Abi Hurayrat radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, quiconque d'entre vous s'endort, al-shaytan attache sur sa tête trois nœuds au niveau de sa nuque. Il attache trois nœuds. Puis il dit, tu auras un grand et un long sommeil, alors dors. Si cette personne se réveille et invoque Allah, un nœud se détache. Si elle fait ses ablutions, un autre nœud se détache. Et si elle prie, le troisième nœud se détache. Et alors elle sera en forme. Et elle aura une bonne âme, dynamique. Mais si ce n'est pas le cas, elle sera lourde et faible. Et elle aura une âme paresseuse. Et lorsqu'on demanda au prophète alayhi salat wa salam, sur une personne qui a dormi toute la nuit jusqu'au lever du soleil et qui n'a pas prié à l'heure, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, cette personne, al-shaytan lui a uriné dans ses oreilles. Cette personne, al-shaytan lui a uriné dans ses oreilles. Est-ce que tu aimerais que le shaytan urine dans tes oreilles afin que ton âme soit lourde et paresseuse toute la journée? Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Zuhayr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie avant le lever du soleil et avant son coucher ne rentrera pas en enfer. C'est-à-dire la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait la prière des deux extrémités du jour entrera au paradis, c'est-à-dire la prière du Subh et la prière de l'Asr. Et les mêmes musulmans rapportent de même. Selon Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, quiconque prie la prière de Sopr en commun, ainsi que la prière de l'Asr, est sous la protection d'Allah. Quiconque prie la prière du Sopr est sous la protection d'Allah jusqu'au soir. Et ceci est une autre version. Naam. Et dans d'autres hadiths authentiques également, comme le prophète alayhi salatu wasalam qui nous dit, il y a des anges qui assistent à la prière du Sopr et à la prière de l'Asr avec les croyants dans les mosquées et ensuite ils retournent vers Allah. Allah leur demande alors, en ayant connaissance de ce qu'ils vont répondre, il leur demande comment ils ont trouvé leurs serviteurs. Ils diront, nous sommes venus à eux, ils étaient en train de prier et nous les avons quittés et ils étaient en train de prier. Et dans une autre version, ils lui dirent, pardonne-leur le jour de la résurrection. Ainsi les anges demandent le pardon pour ceux qui prient Al-Sopr, pour ceux qui prient la prière du Sopr et la prière de l'Isha, ainsi que la prière de l'Asr, et qui prient la prière du Sopr et la prière de l'Asr en commun. Et alors, les anges leur demandent pardon. Les anges demandent pardon pour eux, na'am. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim,
Selon Uthman radiallahu anhu, le prophète alayhi salat wa salam a dit, quiconque prie salat al-isha en commun, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Comme s'il avait prié la moitié de la nuit pour Allah azza wa jal. Et quiconque prie la prière du sopr en commun, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Alors y a-t-il un meilleur bien que ce bien? Et Allah. Et la prière de l'Aïcha, sachez mes chers frères, que la prière de l'Aïcha n'a pas été mise à cette heure. Et la prière de l'Fajr n'a pas été instaurée à cette heure. Si ce n'est car le paradis est véritable. Et Allah. Salatul Fajr n'a pas été instauré à cette heure difficile, si ce n'est car l'enfer et le paradis sont véritables, et si ce n'est car la demeure intermédiaire est véridique. Naam, craignez Allah Azza wa Jal, ibad Allah, et préservez ses prières, car le paradis est entouré par ce que les gens détestent faire, et le prix du paradis est cher, alors certes il faut vaincre les envies de l'âme. Certes il faut vaincre les envies de l'âme. Comme Allah nous dit, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Il a réussi certes celui qui se purifie. Et Allah nous dit également, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi certes celui qui l'a purifié en parlant de l'âme, et est perdu certes celui qui l'a corrompu. Et Allah nous dit également, وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Naam, l'âme aime le sommeil. Elle apprécie le sommeil et elle déteste le réveil pour la prière à son heure. Et alors le serviteur doit refouler ses passions, doit repousser ses passions, et il faut qu'il prenne en considération ce châtiment. Car si l'un d'entre nous ne résiste pas à une aiguille qui le pique, si l'un d'entre nous ne résiste pas à se mettre à hurler de douleur lorsqu'il se cogne la tête à la porte d'une voiture, alors qu'en est-il, ayyuhal ikhwa, du châtiment de la tombe? Qu'en est-il du brisement et du fracassement du crâne et des anges qui écrasent les têtes à ceux qui méritent le châtiment? Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il nous préserve du châtiment de la tombe. Et qu'il fasse que l'on soit assidu à nos prières, à leur temps. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul. Et qu'Allah salue et accorde sa bénédiction à celui après qui il n'y aura aucun prophète. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées. Et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager. Ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés. Et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, il incombe aux serviteurs de faire les causes afin d'accomplir toutes les prières à leur heure. Et toutes les prières à l'heure à laquelle elles ont été légiférées. Et surtout la prière de l'Fajr et la prière de l'Aïcha. Alors certes, la première de ces causes est de demander de l'aide à Allah Jalla wa Ala. Al-Isti'anu Billah. Demander de l'aide à Allah Jalla wa Ala, car quiconque Allah aide, il sera véritablement aidé. Et quiconque Allah abandonne, il sera vraiment abandonné. Et certes, celui qui réussit, c'est lui l'heureux. Et celui qui l'interdit, c'est lui le lésé. Et ainsi, nous demandons à Allah Jalla wa Ala de l'aide et de la fermeté et de l'assurance sur cet acte favorable. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala de l'aide pour la préservation des prières. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Alors certes, invoquez Allah Jalla wa Ala et implorez-le dans vos prosternations et dans les moments où Allah accepte les invocations.
pour la préservation de vos prières, et surtout pour la prière d'El Fajr et la prière de l'Isha, afin que vous échappiez au châtiment de la tombe. La deuxième cause, afin de ne pas rater les prières à l'heure, est de délaisser la discussion et le bavardage durant la nuit. Il a certes été rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim, selon Abi Barzat al-Aslami, radiyallahu anhu. Celui-ci a dit, le prophète alayhi salatu wassalam détestait le sommeil avant la prière de l'Isha, ainsi que la discussion après elle. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam détestait le sommeil avant la prière de l'Isha, ainsi que la discussion après elle. Car certes, le sommeil avant la prière de l'Isha pouvait faire sortir la prière de l'Isha à son heure. Et ainsi, il la ferait sortir de son heure précise, et c'est pourquoi il détestait le sommeil avant la prière de l'Isha, et il détestait également la discussion après elle. Et certes, nous nous souvenons de la parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Certes, il tapait les gens pour cela, et il disait, « Vous bavardez au début de la nuit, et vous dormez à la fin. » Jusqu'à même que certains savants disent que si le fait de veiller la nuit à bavarder provoque le sommeil pendant la prière, alors cet acte qui est à l'origine détestable devient interdit. Ainsi, il nous incombe. Il ne faut pas bavarder la nuit après Salat al-Isha, sauf en cas de besoin. Car certes, il entraîne la négligence et l'abandon de la prière. Et ce besoin, comme nous disent les savants, de bavarder, ce besoin, c'est lorsqu'on bavarde et on discute avec un invité ou avec de la famille, ou lorsqu'on révise de la science religieuse, ou le hadith par exemple. Mais sinon, le reste est certes plus proche de l'interdit que du détestable. Car beaucoup de gens passent leur nuit à regarder des films et à regarder des séries, ou bien ils passent leur temps dans des cafés avec leurs amis, ou même des fois, un shaitan les trompe d'une autre manière, en les faisant discuter sur la religion et sur les problèmes de la communauté, afin qu'ils ne puissent pas se réveiller pour la prière de l'Fajr. Donc il incombe et il faut que les musulmans s'entraident entre eux afin de préserver leur prière. Il faut que les prêcheurs et les imams et les savants fassent rappeler à la communauté l'importance de cette prière. Et même la famille doit s'entraider afin de préserver cette prière. Car certes, où est le père qui se réveille pour cette prière et qui réveille ses enfants et sa femme? Et où est la mère qui se réveille pour cette prière et qui réveille son mari et ses enfants? Où sont les véridiques foyers musulmans? Et qu'Allah fasse miséricorde à la mère de l'imam Ahmed, rahimahullah. Celui-ci nous disait, elle me réveillait avant la prière d'El Fajr. Et j'avais l'âge de 10 ans. Et elle me chauffait de l'eau, car il faisait froid en Irak. Puis, on priait la prière de la nuit et elle m'emmenait à la mosquée afin que je prie derrière l'imam la prière d'El Fajr. Et celle-ci, c'était qui? C'était la mère de l'imam Ahmed. Pourquoi? Car elle avait compris et elle s'était rendue compte et elle connaissait et elle savait parfaitement que le fait de dormir et de négliger la prière était une cause du châtiment de la tombe. Ainsi, c'est une foi sans incertitude et sans doute. Non comme la foi de beaucoup d'entre nous, al-iyadu billah. Une foi qui est certes mélangée avec de l'association et du doute, qu'Allah nous aide et nous confirme dans notre religion. Les mères musulmanes aujourd'hui se fichent complètement que leurs enfants prient avant ou après le lever du soleil. Et même des fois, si le mari veut réveiller ses enfants pour la prière d'El Fajr, afin qu'il les habitue à préserver l'obéissance d'Allah, cette mère stupide, elle vient le contrarier et elle vient empêcher son mari à lui faire du bien et à éduquer ses enfants sur la religion d'Allah. Et ce, en prétextant qu'ils sont encore petits et qu'ils sont encore jeunes et qu'ils vont à l'école. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est certes le cas et l'affaire de plusieurs foyers musulmans sans exagérer. Mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit au début du cours, que l'on est certes des êtres humains et que nous sommes... et que nous ne sommes pas dépourvus des défauts. Et Allah nous a dit certes, wa khuliqa al-insanu dha'ifa, et l'homme a été créé faible. Ainsi, cela peut nous arriver de dormir une ou deux fois pendant la prière obligatoire, à cause de la fatigue,
Et ceci est arrivé certes à la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari selon Abi Qatada, radiallahu anhu, selon son père. Celui-ci a dit, en voyageant avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et pendant la nuit, certains de compagnons ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de dormir dans un endroit afin de se reposer. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai peur que vous vous endormiez au moment de la prière. Et ensuite Bilal, radiallahu anhu, lui dit, je les réveillerai moi-même. Et alors tout le monde s'est endormi. Et Bilal a mis son dos sur son chameau, mais certes le sommeil s'empara de lui et il s'endormit. Puis, le prophète alayhi salatu wa sallam se réveilla après le lever du soleil. Car certes, le prophète alayhi salatu wa salam est un être humain. Allah nous dit, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dit, je suis en fait un être humain comme vous, et il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cela veut dire que cela peut arriver à tout le monde. Et ainsi, lorsqu'il s'est réveillé, alayhi salatu wa salam, il s'adressa à Bilal en lui disant, qu'est-ce que tu nous as dit, ya Bilal? Et alors Bilal radiallahu anhu lui répondit, « Ya Rasulallah, le sommeil s'est emparé de moi d'une façon dont je n'ai jamais vu auparavant. » Et alors là, le prophète alayhi salatu wa salam commença à le calmer et il demanda à Bilal de faire ses ablutions et de faire l'adhan, l'appel à la prière. Et alors Bilal fit l'appel et les compagnons radiallahu anhum firent leurs ablutions et le prophète alayhi salatu wa salam pria avec ses compagnons. Ainsi, il peut arriver, il est possible, de s'endormir à cause de la fatigue. Mais le fait de prendre cela comme habitude, de s'endormir tout le temps, mérite ainsi le châtiment de la tombe. Excepté pour ceux à qui Allah fait miséricorde. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque s'endort sur une prière, ou l'oublie, qu'il l'a pris lorsqu'il s'en rappelle, car il n'y a aucune autre expiation. Quiconque s'endort pendant une prière ou bien l'oublie, qu'il l'a pris lorsqu'il s'en rappelle, car il n'y a aucune autre expiation. Et dans une autre version, il récita le verset où Allah nous dit, « Wa aqimis salata li dhikri » et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Donc, quiconque oublie la prière ou bien s'endort pendant la prière, alors il doit obligatoirement l'accomplir, même si son heure est sortie. Mais il ne faut pas qu'il s'habitue à cela. Et il faut certes qu'il demande à Allah le pardon et l'aide et la confirmation. Et ainsi, ayyuha al-ikhwa, craignez Allah Azza wa Jal et soyez miséricordieux envers vous-même et envers vos têtes. Et pensez à vos tombes et au châtiment de la tombe. Et éloignez-vous de ces causes. Et apprenez-les et éduquez-les à vos familles. Et soyez ainsi miséricordieux envers vos femmes et envers vos enfants, en leur ordonnant de préserver et d'accomplir les prières. Car certes, le fait de négliger la prière à cause du sommeil mérite ainsi le châtiment de la tombe, comme nous ont dit Jibril wa Mikaïl alayhi ma salawatullahi wa salam au prophète alayhi salatu wa salam. Alors je demande ainsi à Allah Jalla wa Ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il nous mette et qu'il nous fasse parmi ceux qui préservent leurs prières. Surtout la prière d'El Fajr et la prière de l'Isha, jusqu'à ce que l'on rencontre Allah Jalla wa Ala et qu'il ne nous châtie pas dans nos tombes et qu'il nous éloigne des causes de son châtiment. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je tiens à demander à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et certes, notre dernière invocation est que...